Les quarts de finale de Danse avec les Stars 2019 étaient diffusés le jeudi 7 novembre sur TF1. Découvrez quel candidat a quitté l'aventure. L'étau se resserre dans la compétition de Danse avec les Stars 2019. Le prime des quarts de finale était diffusé le jeudi 7 novembre sur TF1, pour laisser place aux Energy Music Awards le lendemain. Il s'agissait de la soirée spéciale juge. À la fin du show, c'est finalement Aziz Diabaté qui a été éliminé. L'acteur âgé de 19 ans était coaché par Chris Mark tout au long de la semaine. Sur la piste de danse, le jeune homme et Denitsa Ikonomova, accompagnés par le triple champion du monde de salsa, se sont lancés dans une chorégraphie de cette discipline, sur le titre Mon beau-frère de Black M. Malgré les bonnes appréciations du jury, 8, 8, 7 dixièmes, soit un total de 23 points, le danseur en herbe a été poussé vers la sortie. Interviewé par la chaîne, Aziz Diabaté a réagi à son élimination, tout en restant positif, « J'étais choqué mais je me dis que c'est le jeu. » Point. J'ai tout donné et franchement je suis trop fier de Denis, Denitsa, note de la rédaction. J'ai pas les mots pour parler parce que si je parle je vais pleurer, a-t-il déclaré, dans un fou rire. Quant à la danseuse professionnelle, elle a tenu à féliciter son partenaire, c'est une personne extraordinaire. Je suis trop fière d'avoir pu faire cette saison avec lui. C'est mon petit chou. C'est mon gars sûr, a-t-elle plaisanté. Aux portes de la finale, Aziz Diabaté s'en va la tête haute. Quant à Elsa Esnou, elle accède aux demi-finales.